Allez, mes petits loups, on débarrasse. Et après, on attaque l'activité du matin. Patchwork de sopalin et collier de perles en rotin. Ouais. Oh non. Ça veut dire quoi? Oh non. Vous préférez peut-être m'aider à éplucher les rutabagas? Pour faire plein de bonnes recettes. Vous pourrez en manger à tous les repas jusqu'à la fin de l'été. Ça promet une passionnante expérience gastronomique. Tu parles, on veut des frites. Oh non, pas des frites. Et pourquoi pas des nouilles? Et ouais, pourquoi pas des nouilles? Puisque c'est comme ça, on ne va rien faire du tout. Tout le monde au coin. Si on avait un délégué pour nous représenter, ce serait plus simple. Oh, bravo! Voilà une excellente idée, Greta. Et qui serait ce fameux délégué? Pourquoi pas Greta? C'est son idée. Tu rigoles, Greta n'a pas le feeling. Moi, par contre, je serais trop cool en délégué. Candidature refusée. Il n'est pas question que je doive discuter avec un énergumène comme toi. C'est aux enfants de choisir. Je demande une élection libre. Ouais! Si t'as besoin d'un conseiller, tu sais que je suis un pro de l'info. T'en fais pas, Greta. Je vais t'aider, moi aussi. On va leur montrer ce qu'on sait faire. Oui, je compte sur vous pour leur mettre la pâtée. En toute impartialité, bien sûr. Chères électrices, mon programme pour le camp consiste à repenser les droits et les devoirs des enfants. Oh, tu tombes mal, en fait. On est en plein brunch. Regarde plutôt un vrai pro en action. Salut les filles! Si vous votez pour moi, vous pourrez passer autant de temps que vous voudrez sous la douche. Ouais! Quoi? Mais c'est du gaspillage! Pour compenser, moi je me doucherai plus jamais. Mon programme est simple. Partage des responsabilités, engagement dans la vie collective... Malik! Si je suis élue, il y aura des frites à tous les repas et des grasses mats tous les matins! Youhou! Et c'est pourquoi je propose d'installer des réducteurs de pression pour ne pas gaspiller l'eau que nous offre Mère Nature. Tout est dans mon programme. Tu préfères pas le t-shirt trop bien d'un candidat trop cool? Et je vous promets un de mes desserts pour chaque vote! Wouhou! Et je me battrai jusqu'au bout pour faire triompher le combat du tri sélectif dans le camp! Mais comment fait-il pour les convaincre avec ses bêtises? Mon programme est tellement plus sérieux! Bah, c'est peut-être ça le problème. Quoi? Je suis barbante, c'est ça? Non, c'est Brian qui a l'air plus cool. Je veux dire, toi, il faudrait te rendre moins, Bon, j'ai une idée. On va utiliser la magie de la forêt. Ben, je sais pas trop. J'ai trouvé. La feuille de cette plante donne à celui qui la porte un charme irrésistible dès qu'il s'adresse à quelqu'un. C'est parfait pour être élu. Mais c'est de la triche! C'est juste un moyen pour que les électeurs t'écoutent. C'est ton programme qui les convaincra. Non, je suis sûre que je peux y arriver sans. Greta, je viens de faire un sondage. Tu n'as que 0,01% d'intention de vote. C'est tout? Il faut absolument te ressaisir. Je compte sur toi. En toute impartialité, bien sûr. Lisa, elle pousse où, cette plante? Oh! On y est. Waouh! À toi de jouer. Comme d'hab, avec ma malchance, le tirage au sort de la corvée de bois est encore tombé sur moi. Courage, Malik. Partager les tâches avec les adultes, c'est bien, ça nous rend plus responsables. Je l'ai mis dans mon programme, d'ailleurs. Waouh! Quelle idée géniale! T'as trop raison, Greta! Je vote pour toi! C'est vrai?
Malik, mon pote, tu devais pas voter pour moi plutôt? Je ferai toutes tes prochaines corvées. C'est gentil, Brian, mais je préfère être responsable. Il m'a écouté, il a compris mon programme. La plante fonctionne. Résultat des sondages, Greta 51%, Brian 49%. Ah, bien fait. En toute impartialité, bien sûr. Génial. C'est pas vrai. Elle est en train de me doubler. Non, t'es un champion. Tu vas leur montrer que tu tiens tes promesses. Une part en plus, ça te dit? On se voit soir à l'élection, hein? Tiens, c'est un cadeau pour toi, Greta. Hmm? Allez, te laisse pas abattre, on continue. Devinez qui vient de nettoyer toutes les cabanes à votre place. Chut. Ça vous donne pas envie de voter pour Chut. Moi? T'oublieras pas de voter pour moi, hein? T'oublies pas de voter pour moi, hein? Tu votes pour moi, hein? D'accord? C'est bon maintenant? Vous allez voter pour moi? Ouais, peut-être. On verra. Alors, vous avez eu le temps de lire mon programme? Mais on s'en fiche de ton programme. De toute façon, on est trop d'accord avec toi. Donc, je peux proposer n'importe quoi? Et on votera pour toi. Tout ce que tu dis est tellement génial. Attendez! Si vous voulez, je veux bien vous masser les orteils. Cette plante les rend complètement zinzin. Lisa, c'est un vrai cauchemar. Quoi que je dise, tout le monde est d'accord avec moi. Mais c'est parce que t'es tellement géniale, Greta. C'est juste l'effet de la magie. C'est pas honnête. Non, c'est toi qui es magique. Je refuse d'être élue comme ça. Il faut que je les dégoûte tous de voter pour moi. Je déclare le débat ouvert. Ouais, ouais, ouais. Alors, monsieur Brian, quel est votre projet pour le camp? Youhou! Vas-y, Brian! Motivé! Ben, c'est simple. Si je suis délégué... Fin du temps de parole! Candidate Greta, si vous voulez bien prendre place. Greta! 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 Eh bien, moi, je veux que tous les jeux soient interdits et qu'il n'y ait que des activités obligatoires. Quel humour! Trop drôle, Greta! Non seulement elle est magique, mais en plus elle est hilarante. Pas du tout! Je suis très sérieuse, au contraire. Beaucoup trop sérieuse. Carrément barbante, même. Mais non! T'es super, Greta! Greta déléguée! Greta! Y'a rien qui fonctionne! Fin du débat, c'est l'heure du vote! Bulletin orange pour Greta et bulletin bleu pour Brian! Greta déléguée! Greta déléguée! Greta déléguée! Allez, allez, on se met en file indienne pour voter! Ça va être une victoire éclatante. Je vais chercher de quoi fêter ça. En toute impartialité, bien sûr. Il n'y a plus qu'un moyen. Votez tous pour Brian. Ouais, super. Vive Brian. Brian délégué. Brian délégué. Brian
Les enfants, voici les résultats. Oui! Brian est élu à la majorité absolue. C'est impossible. C'est un cauchemar. Il faut tout annuler. Ne dites pas de bêtises. Il a été élu par les enfants de la façon la plus honnête qui soit. Hippolyte a raison. Je pense qu'on devra revoter. J'ai plus du tout envie d'être délégué. C'est pas possible. C'est beaucoup trop de boulot. Et moi aussi, il faut que je vous avoue quelque chose. J'ai triché. J'ai utilisé cette cravate magique pour que vous m'écoutiez. Détourner ainsi la magie de la forêt pour manipuler les électeurs, c'est une honte. Oh, et oh, ça va, hein. C'est pas pire que les promesses débiles que t'as fait dire à Brian. Oui, bon, l'élection est fichue de toute façon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah, on décide de mieux s'écouter les uns et les autres pour pouvoir se passer de délégués. Qui vote pour? Ouais! On aura au moins réussi un vote. Greta, t'es super balèze en triche, hein. On devrait s'associer un de ces quatre. Tu crois pas? Brian? Oh, ça va. On a le droit de blaguer, non?